m'appelle Marc Vincent, donc je suis directeur des projets et de l'innovation donc à l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand-Lac, qui gère un certain nombre d'ouvrages hydrauliques en amont du bassin de la Seine, à la fois pour écréter les crues et pour gérer la ressource en eau par le soutien d'étiage. Donc, j'ai une formation d'ingénieur en géologie appliquée. Donc, j'ai poursuivi ensuite par un doctorat fait auprès de l'École des mines de Paris, mais dans le cadre d'un contrat CIFRE, donc de formation par la recherche, et donc dans le cadre d'un projet de développement appliqué dans une entreprise de travaux publics sur l'étanche. J'ai été recruté à l'EPTB Seine-Grand-Lac comme directeur des services techniques et actuellement j'occupe une fonction de directeur des projets d'innovation, donc qui est axée plus sur la gestion notamment des projets innovants. Et en particulier, là je travaille en ce moment sur des possibilités de développement d'énergie renouvelable sur nos emprises, donc via l'hydroélectricité et du photovoltaïque. Alors, bon, j'accepte d'intervenir dans ce master parce que je pense que c'est important de partager son expérience en tant que professionnel. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans le cadre de mon cursus, de pouvoir bénéficier des témoignages en fait, de professionnels en activité. Je pense que ça fait partie intégrante de la formation. Donc, ça apparaît, voilà, assez logique qu'en tant que professionnel, on essaye de participer aussi à ce mouvement de transmission de l'expérience, de partage de l'expérience. Parce que je pense que ça aide aussi les étudiants à se positionner par rapport à leur futur métier, leur future entrée dans la vie professionnelle. Donc ça permet de voir un petit peu différentes expériences, de voir différents contextes professionnels. Et voilà, donc je pense que c'est assez naturel d'accepter ce genre d'intervention. Alors, bon. Je ne sais pas si c'est des conseils, mais en tout cas, moi, au vu de mon expérience, donc d'abord la gestion des risques naturels, c'est un métier passionnant, très large, mais aussi très engageant, qui demande, je pense, à la fois d'être assez pointu techniquement, parce que c'est des sujets qui sont complexes, qui sont aléatoires, avec des niveaux d'incertitude souvent très forts. Donc ça demande quand même d'être très rigoureux, de pouvoir quantifier au maximum les événements, de savoir faire de la modélisation, par exemple physique, des phénomènes, donc des compétences techniques assez pointues. Et en même temps, on est à l'interface avec le social, avec le politique. Donc il faut aussi accepter de rentrer dans ces processus de décision, de dialoguer avec les habitants, avec les élus, avec les responsables politiques. Donc je pense que c'est tout l'enjeu d'arriver à être à la fois compétent dans des domaines techniques complexes, et en même temps suffisamment pédagogue pour essayer de les faire partager au plus grand nombre pour faire progresser la prévention des risques. Donc c'est un bon challenge.